Bonjour, bonsoir Sharon. Nous sommes le mardi 9 juin. Actually, we are. It's Wednesday. That's the summary of yesterday. So, le mardi 9 juin, leçon 2 sur 9. Faire des courses au marché. Basically, go shopping at the market. So, it can also be farmer's market. We don't call it farmer because we know it's many farmers coming and selling their products. So we just say marché, aller au marché. So to go to the market here. Okay? To go to the market. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? So what's the day today? Nous sommes le mardi 9 juin. It's Tuesday, June 9th. Quelle heure est-il? Il est 11h05. Quel temps fait-il? How's the weather? Il pleut un peu. Yesterday we had a storm. Donc, we could have said, il a fait de l'orage. It was late afternoon. Il a fait de l'orage. We can say it was stormy. Je viens de préparer du café. So we saw this stuff. I just prepared some coffee. Je suis en train de préparer du café. I'm currently preparing coffee. So, lire, to read, parler, to speak, prendre un cours de français, to take a French course. So be careful of course and faire des courses, it's not the same. Je vais, I'm going to. Je vais faire des courses, I'm going shopping, basically. I'm not going to say I'm going to go shopping. En ville, downtown. So, what I would like to do here is to read the transcript and go back to the dialogues. C'est un croque-monsieur, c'est un jambon-beurre. So, vite et bien. Not here, because this one is different student. So, vite et bien. Hop, it's here. And, we said, dialogue 1, 2, 3 et 4. Okay. Monsieur, madame, that's a singular form. Messieurs, mesdames, plural form. Alors, so, une vinaigrette is a salad dressing. Basically, we have oil, any kind of oil, du vinaigre, vinegar, du sel et du poivre, salt and pepper. Sometimes, instead of the vinegar, people use mustard. De l'huile, de la moutarde, oil, mustard. Un demi, a beer, un verre de bière. Une bière. Une bouteille d'eau. It can be une bouteille d'eau minérale, en gazeuse, à quelle on se sait pétillante. Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère l'eau gazeuse, l'abattoir. Alors, voilà, l'abattoir. Un déjeuner is a lunch. Rapide, quick. Le petit déjeuner is breakfast. Qu'est-ce que c'est? What is it? So get used to these two questions. Hein. Qu'est-ce que c'est? What is it? Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Une formule petit déjeuner, ce formula. Hein, set menu. Un menu à 12 euros. Wish I could just change that. That would be great. With an accent here. So à 15 euros, 20 euros, hein, basically. So let me see if I can actually change this. Un menu à 15 euros. Sometimes it wants, sometimes it doesn't want. It's a bit annoying. Okay, so it's pas grave. Try to get the small accent. Here. Un café au lait is a latte. Un jus d'orange frais, une orange pressée. That is a fresh orange juice. Hein? That's a freshly squeezed. Une tartine, a slice of bread.
with butter and etc. Un verre d'eau, glass of water, bien sûr, it's of course, sure. À ton tour, again. So, I'm gonna do that. À ton tour, your turn. Le riz, rice. So be careful of the pronunciation. Un, une. Le la. Okay. We talked about wine for a short period of time. So, la, les, and also l'apostrophe. So that is the. Le vin jaune is a yellow wine. It's from Jura. And you can eat it with walnuts and foie gras. And also you can eat it with comté. Du comté, which is some cheese. And you know that. Du comté. There is also a small accent here. Actually, what I'm going to do is this. Voilà. There we go. Le plat du jour. It's like the meal of the day, the special of the day, we can say that, the special of the day. Lapin is a rabbit. Végétarien, vegetarian from uniform. Je voudrais juste des légumes, so I only want some vegetables. Une assiette de crudité, raw veggies. Cuit, cooked, une assiette de frites is like french fries. Ah bon, really? Haricots verts, green beans, without butter, sans beurre, d'accord, ok. So, actually here I give you the perfect list, how to order your steak preference in France. Bleu, done, ok, done on a very hot grill for 1 minute on each side. Saignant, meaning bloody, very rare, but cooked slightly longer. À point, rare for British and American standards. This implies that a steak is cooked a little longer than saignant one. À point. Yeah, it's not the overcooked. Hein. Bien cuit is well cooked. Pinkness in the middle of the meat. The steak bien cuit is cooked until the juices run brown on the surface of the steak. Très bien cuit, which is rare for the French standards, should get you a steak that is totally cooked through. Un steak tartare TGV. So we also corrected the homework. Okay, I'll put some more homework actually. I want to show you. So if I go back to Vite Bien. Okay, let's see. Un déjeuner rapide, messieurs, dames. Bonjour madame, alors un croque-monsieur avec une salade verte, s'il vous plaît. Pour moi, un sandwich jambon-beurre, s'il vous plaît. Oui, monsieur, et comme boisson, un demi et une carafe d'eau, très bien. Le petit déjeuner, madame, bonjour monsieur, je voudrais une formule petit déjeuner, s'il vous plaît, avec un café, un thé, un chocolat, un café crème, s'il vous plaît, et une orange pressée ou un citron pressé, une orange pressée. 10 minutes après, le serveur, et voici le petit déjeuner, le croissant, la tartine, le café crème et l'orange pressée. Merci monsieur, je voudrais aussi un verre d'eau s'il vous plaît. Bien sûr madame. Un dîner simple. Bonjour monsieur, vous avez une table libre là-bas. Et voici la carte. Merci monsieur, un peu plus tard. Bon, libre, ça va aller bon, hein, oui. Je voudrais une formule à 12 euros avec une salade aux chèvres chauds. Et un saumon grillé avec du riz, s'il vous plaît. Et comme boisson, un petit verre de blanc. Nous avons du muscadet et de l'aligoté. Alors, un petit verre d'aligoté, s'il vous plaît. Une cliente difficile. Bonjour, mademoiselle, voici la carte. Il y a un plat du jour, un lapin à la moutarde. So the rabbit. Non, merci, je suis végétarienne. Ah, alors nous avons un saumon grillé avec du riz. Ah non, je voudrais juste des légumes. Juste des légumes, une assiette de crudité. Alors, une assiette de crudité, alors. Non, je voudrais des légumes cuits, une assiette de frites. Ah non, quelle horreur. Ah bon, une assiette de riz avec des haricots verts. Oui, très bien, sans beurre, les légumes, s'il vous plaît. Sans beurre. D'accord, mademoiselle. Ah, les clients. So,
we're going to go through that, don't worry. So I want to make sure the numbers are learned. If you can practice the numbers from 0 to 20, page 13. Okay, so we're going to say that. Huh? So practice numbers on page. I don't know what it is. Page 13. Bien. Next, la page 14. Okay. La page 14, page 14, you have all the exercises that I want you to do. So, les exercices à page 14. Ah. Les exercices, page 14, vite et bien. Okay. You have an excellent week, and I'll talk to you soon. Au revoir.